collègues, chers étudiants, chères étudiantes, ceci est un grand jour puisque nous avons pu faire une grande pêche et nous avons pêché un gros poisson. Le gros poisson s'appelle Charles Onana, l'auteur de l'Holocauste au Congo. Je voudrais simplement, cher Charles, je peux vous appeler ainsi puisque vous êtes très attaché non seulement au Congo, mais aussi à l'UNICIC à travers notre professeur, notre collègue Emmanuel Enachimurula. Cher Charles, regardez tout ce monde. Regardez cette belle jeunesse habillée avec l'œuvre de vos doigts. Holocauste au Congo qui nous réunit aujourd'hui ici. Comme mot de bienvenue, je voudrais m'exprimer dans les quatre langues nationales de ce pays vaste, de ce pays riche pour lequel vous prenez des risques, pour lequel vous êtes vent debout pour que nous soyons en paix. Boye Bolamu en Lingala, Charles. Kwisambote en Kikongo, Charles. Karibu en Swahili, Charles. Charles Wetube Toabwe en Chiluba. Soyez les bienvenus, sentez-vous à l'aise, puisqu'ici vous êtes dans le sanctuaire du journalisme. C'est ici que sont nées les grandes voix, les grandes plumes de la presse. Et il y a 50 ans que l'homme qui est assis à votre gauche va bientôt honorer, puisque nous continuons avec le cinquantenaire, c'est ici où se passe, où se laboure, où se cultive la communication. Et donc je crois que dans votre parcours, vous direz quand vous rentrerez, oui, vous avez visité la colline inspirée, mais vous avez bien fait de finir par les ingénieurs des consciences, les fabricants de la propagande, les fabricants des hommes politiques. C'est nous les communicologues, et nous vous disons la bienvenue. Nous allons commencer par la croche, comme on dit en publicité. Le gros poisson, aujourd'hui, c'est Charles Onana. Qui est Charles Onana? Monsieur Auguste Charles Onana, 60 ans depuis le 18 février dernier, est un journaliste d'investigation, c'est-à-dire d'enquête, franco-camerounais, diplômé de la Sorbonne et politologue, puisqu'il est auteur d'une thèse défendue et présentée avec maestria le 21 décembre 2017 à l'Université Jean Moulin de Lyon, 3 en France, thèse intitulée « Rwanda, l'opération turquoise et la controverse médiatique 1994-2014 ». Analyse des enquêtes journalistiques, des documents secrets défense et de la stratégie militaire sous la direction du professeur Jean-Paul Joubert, qui a été directeur du Centre lyonnais d'études et de sécurité internationale et défense, et qui est surtout l'auteur de Rousseau et les relations internationales. Charles Onana est spécialiste des conflits armés et des questions géopolitiques. Il est, et c'est très intéressant pour nos étudiants, fils spirituel du célèbre journaliste d'investigation, j'ai cité Pierre Payan d'Heureuse Mémoire, qui a écrit Fureur Blanc, Menteur, Noir Fureur Blanc, Menteur, Rwanda 1990-1994, L'Argent Noir, Corruption et Développement, et je passe. Charles Onana est un militant, parce que pour le Congo, pour la paix dans la région des Grands Lacs, il a plusieurs fois été mis en examen pour contestation des crimes contre l'humanité, notamment par la Fédération internationale de droits de l'homme et par la fameuse Association communautaire rwandaise de France, CRF, en 2019, pour soi-disant avoir tenu des propos niant les génocides perpétrés contre les Tutsis dans son livre « Le Rwanda, la vérité, l'opération turquoise, quand les archives parlent ». Déjà en avril 2009, Charles Onana publiait « Ces tueurs Tutsi au cœur de la tragédie congolaise » avec une préface, tenez-vous bien, de la sénatrice américaine Cynthia McKinney. Onana a vu la plainte lui porter être classée sans suite par le parquet de Paris le 28 octobre de la même année, c'est-à-dire en 2019, année de son dépôt, ce qui est une victoire pour un journaliste d'investigation, pour un journaliste polémiste. Alors, aujourd'hui, parlons un peu, mais parlons beaucoup de ce qui nous réunit. Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale,
Eh bien, non seulement vous êtes habillé de la couverture de ce livre, qui est l'œuvre de ses mains, mais je vous dis que c'est un document explosif. Un document explosif sur le drame congolais, notre drame. Ici, là et maintenant, nous sommes réunis pour écouter en face à face Charles Onana autour de la thématique de son livre « Choc, Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale ». Le peu que je puisse en dire est que cet ouvrage « Choc » est un document explosif, je l'ai déjà dit, mais un document qu'il faut absolument lire pour mieux comprendre les coulisses de notre drame congolais, qui est en fait une guerre sans images, une guerre pour nos minéraux, pour dire comme l'auteur. En deux chapitres majeurs, le plan secret d'invasion militaire du Congo Zaïre et le Banyamulenge et la destruction préméditée de la République démocratique du Congo, Charles Onana nous raconte sur 483 pages les méthodes rwandaises pour masquer l'invasion du Congo de Patrice Emery Lumumba, Musée Laurent Désiré Kabila et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, à la barre, à l'UNICIC, Charles Onana permet à ses liseurs une lecture facile et aisée en leur offrant un éclairage documenté tiré des dossiers en béton, bien ficelé, bien argumenté et surtout écrit avec toute l'indignation nécessaire à l'exhortation des Congolais, surtout de cette belle jeunesse à venir de demain que vous êtes. Ce livre est écrit avec une capacité d'indignation intacte, je pourrais ainsi dire, et nous exhorte tous à cesser de dormir, à cesser de nous victimiser. D'un regard scientifique, brièvement je pourrais dire que nous pouvons reprocher à Charles Onana sa difficile distanciation entre le journalisme d'investigation, la politologie, puisque le politologue qu'il est commis à la froideur de la preuve qui est en lui. Mais son militantisme affiché lui a souvent été reproché par une certaine opinion pour la cause du généreux et hospitalier peuple congolais, notre peuple, qui paye aujourd'hui de ses propres turpitudes pour avoir été si hospitalier et paraît dormir sur sa victimisation. Mais qui, ici parmi nous, cher Charles, pourrait vous reprocher, pourrait vous empêcher, vous qui avez cherché et trouvé la vérité de nos malheurs, de garder intacte votre capacité d'indignation? Holocauste au Congo, chers amis, est somme toute un livre d'enquête fouillé et respectable qui décrit et analyse en amont comme en aval les raisons motrices de la bouteille à l'encre de cette guerre injuste que nous impose les lorgneurs cupides de nos richesses naturelles et légitimes, nos chers mauvais voisins, par des réclamations maquillées. En réalité, nous sommes victimes des acteurs de la mafia, du business, des plus forts militairement, aux dépens de damnés de la terre, que nous risquons de demeurer si nous ne décidons de stopper cette hémorragie. Alors, il ne sera pas seul. J'ai deux autres orateurs qui n'auraient pas voulu que je les présente, puisque ce sont vos professeurs. D'abord, Jean-Richard Kambayi-Boatcha. Qui est Jean-Richard Kambayi-Boatcha? J'allais dire Kouajik. Il est auteur de Conflits et guerres au Congo des Grands Lacs de 1965 à nos jours. Et c'est très intéressant pour les chercheurs qu'est Charles. Kambayi-Boatcha est docteur en histoire des mentalités de l'Université de Montréal. Il est Master of Arts en histoire contemporaine, toujours de l'Université de Montréal. Il est certifié en langue anglaise de l'Université de Brunswick, de McGill, donc Concordia, toujours au Canada. Il est professeur émérite des universités et actuellement notre recteur à l'UNICIC. Je voudrais peut-être terminer cette présentation parce que Kambayi-Boatcha a tellement écrit, mais nous n'avons pas le temps. Nous sommes en communication, soyons stricts. Mais permettez-moi quand même de céder à une citation qui décrit, qui le colorie. Il a cité dans son livre « Conflits et guerres au Congo des Grands Lacs » que j'imagine il va offrir à M. Onana, le poète Watch. Je cite « L'aube et le crépuscule se moient. En solitaire, je fais ma vie, passant mon temps à provoquer. Soleil, air, eau, terre, poète sans le savoir ni le vouloir, matin et soir, attentif aux échos, disant au monde « Réveille-toi, la nuit a pris fin. » Voici ce qu'est Jean-Richard Kambayi-Boatcha, notre recteur.
J'allais dire qu'il est auteur entre autres, mais il m'a dit d'être bref. Il a écrit « Demain les Haïts, choix idéologique et barrière mentale ». Il a écrit « Le mal zaïrois et les dérapages de la transition démocratique aux Haïts ». Mais surtout Charles, il a inventé un mot que vous n'avez pas vu à l'école ni à l'université, le tchitantisme, au cœur de l'élévation de la société Louba-Kassai, sans ce non-sens d'une mentalité qui a eu le prix du livre en 1990, puisqu'il est à quelques pas de vous qu'il vous dise ce que c'est que le tchitantisme. Nous savons tous que entre avril et juillet 1994, la RDC a été envahie par un afflux étonnant de réfugiés rwandais. Et en tant que pays légendairement hospitalier, ses frères, désormais réfugiés rwandais, comme on les appelle ici chez nous, sont devenus un alibi, un prétexte fallacieux pour attaquer. Pour attaquer l'Est de notre pays, à cause des motifs non avoués qui seront expliqués tout à l'heure par nos débatteurs autour de notre ami et frère Charles Onana. Charles, voulez-vous mettre encore une fois debout? On va vous applaudir. Applaudissements, Charles. Merci. De la simple poursuite des Rwandais, Hutus, à l'agression de la RDC, nous voici aujourd'hui en pleine guerre atroce. Alors, atroce. Et mon Dieu, que des morts qui se comptent par millions, de vols en vrac, au vu de tout le monde, le monde entier. Que dire de viols? De viols par contrainte. Charles Onana, vous êtes spécialement intéressé à cette question. Vous, politologue du talent et panafricaniste de renom, vous avez écrit précédemment, entre autres, « Les secrets de la justice internationale », on l'a dit, « Enquête truquée sur les génocides rwandais » et « Silence sur un attentat ». Le scandale du génocide rwandais. Même année, en 2009, à Paris, vous avez publié « Ces tueurs tutsis au cœur de la tragédie congolaise ». Cher ami, en 2004, Honoré Nbanda, un ami, un frère, a largué sur le marché du livre un titre à sensation intitulé « Crimes organisés en Afrique centrale ». Avec un sous-titre « Révélation sur les réseaux rwandais et occidentaux ». Vous, Charles Onana, encore vous avez préfacé ce livre de Nbanda. Plus, je soupçonne que les amitiés avec Pierre Payant, en cette matière, ont été fructueuses. Je me rappelle du livre « Noir ». Fureur, blanc, menteur, et aussi du livre Carnage, guerre secrète des grandes puissances en Afrique. Je me rappelle mêmement du livre de Honoré Nbanda et Patrick Mbeko sur stratégie du chaos et du mensonge, avec un sous-titre qui en dit long, poker menteur et en Afrique des grands lacs. Aussi, je ne peux pas ne pas mentionner mon ami Fedi Moulumba Kaboya, qui est connu. Monsieur Fredy, voulez-vous mettre debout? On va vous applaudir aussi, pourquoi pas. Fedi Moulumba Kaboya est connu aujourd'hui comme spécialiste en problématologie de la balkanisation. Il a articlé sur
les ressources stratégiques comme fondement économique des guerres de balkanisation en RDC. Moi, de ma part, j'ai lancé sur le marché un livre à sensation que j'ai intitulé « Conflits et guerres au Congo des Grands Lacs de 65 à nos jours ». Mon cher Charles, vous connaissant très bien, je sais que vis-à-vis de notre pays, vous êtes resté toujours dans l'esprit de véridiction, c'est-à-dire cet esprit qui entraîne dans le vrai, dans un vagabondage scientifique. Oui, vagabondage scientifique. Pour comprendre les méandres compliqués de l'histoire situationnelle qui endeuille atrocement notre pays. Congo Demboka, allez-y, Congo! Quitte sa musique. Tofongo limi sur les lots. Continuez. Tofongo limi sur les lots. Tomoni bozo bagnoso to sali. Arrêtez. Quoi, Chiki? Je vous remercie. Alors nous continuons maintenant et je vais vous offrir le plat consistant, celui pour lequel vous avez attendu plus de 2 heures. Alors Charles, puisque vous avez l'art de la parole, vous avez toujours dit que vous répondez aux envolées péremptoires par le travail et la réflexion. Voici venue l'occasion. Qu'est-ce que vous nous dites, nous à l'UNICIC, nous au Congo, nous au sanctuaire de la communication, sur votre message? Que nous apportez-vous comme message? Qu'est-ce que vous avez eu comme opinion, comme point de vue, après tous ces contacts aux universités, après avoir porté votre discours dans nos différentes universités, du même coup cette fois-ci? À vous la parole. Merci. Merci beaucoup. Mboté. Comment on dit pour défendre le Congo? Ezali Kamboya. C'est pas fort ça pour défendre le Congo. Ezali Kamboya. Non, c'est faible encore. Vous voulez que le Rwanda passe par-dessus? Ezali Kamboya. Voilà, voilà. Là, on est dans la vigueur des léopards. Merci, monsieur le recteur, de m'avoir invité pour partager avec les confrères ici, parce que là je change ma casquette, là je remets la casquette du journaliste d'investigation. Je remercie tout le corps enseignant et toute l'administration qui a travaillé beaucoup. Ma sœur là-bas au bout qui me jette un regard que j'avais vu la dernière fois. Pour travailler, je retrouve aussi des visages connus dans l'assistance. Eh bien, je ne peux pas ne pas rendre un hommage à mon ami Emmanuel Nachi, qui m'a dit « Bon, ben, tu vas chez toi, là, c'est plus que chez toi ». Évidemment, quand je vois l'accueil, monsieur le recteur, que je reçois ici et toute l'affection que je reçois ici, eh bien, je pense que je vais essayer de faire honneur à notre métier de journaliste. Vous savez, le journalisme d'enquête, quand j'ai commencé ce métier, ce travail-là, mon objectif était d'être un journaliste sérieux. Je ne savais pas si j'allais avoir une renommée ou... Et je n'étais pas animé par la recherche du sensationnalisme ou des choses comme ça. Je voulais juste être sérieux. Et pour cela,
J'ai commencé à travailler comme universitaire parce que je pensais que le rôle et la responsabilité des journalistes étaient tellement importants qu'il était nécessaire de consolider sa culture générale. Alors j'ai décidé de faire des relations internationales. Et pour expliquer le monde, il faut d'abord que vous soyez en capacité de comprendre le monde. Si vous ne comprenez pas, qu'est-ce que vous allez expliquer? Et surtout, que vous devez parfois expliquer des choses à des gens qui ont une connaissance sur la question que vous voulez expliquer, une connaissance beaucoup plus approfondie que vous. Donc, par humilité, vous devez faire l'effort intellectuel de travailler beaucoup, de lire beaucoup, d'interroger beaucoup avant de vous prononcer. C'est exactement cette méthode que j'ai utilisée pour arriver à travailler sur le dossier du Congo. Parce que il y a, je ne vous apprends rien, quand vous regardez la bibliographie, le travail fait par les auteurs congolais, fait par des occidentaux sur le Congo, mais c'est énorme, c'est colossal, vous ne savez même pas par où commencer. Mais il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup agacé, c'est le fait de voir que les travaux de beaucoup de chercheurs congolais n'étaient pas valorisés, n'étaient pas reconnus, n'étaient pas associés quand on analyse les questions du Congo. Et j'ai voulu, à travers ce livre que j'ai fait, mettre en évidence le travail qui a été fait ici par les chercheurs congolais, donc Emmanuel Nachi, le professeur Mararo Bouchoua-Limoué et plein d'autres. Et je voulais aussi mettre en évidence le travail qui a été fait par les parlementaires congolais, notamment M. Vangou, qui était parlementaire, le président de la commission Vangou, qui porte son nom, a été quasiment ignoré par cette dernière génération de chercheurs et même de parlementaires congolais, qui ne ramènent pas, quand on veut faire de la polémique sur les affaires du Congo concernant la question des Banyamulenge, par exemple, on fait comme si le Congo n'a jamais rien fait. Il y a eu un énorme travail fait par la commission Vangou, très, très bien documenté, et des gens qui n'étaient passionnés que par la recherche de la vérité. Et le fait d'enterrer ce type de rapport, pour moi, je trouve quelque chose de profondément dangereux et choquant pour les intelligences congolaises, qui méritent, lorsqu'on veut faire des polémiques sur ce sujet, il faut faire ramener le travail de la commission Vangou en surface pour que les jeunes Congolais qui ne connaissent pas sachent qu'il y a des gens très sérieux. Et d'ailleurs, cette commission-là avait beaucoup de professeurs de très haut niveau qui ont fait l'effort de travailler sérieusement. Donc, je pense que cela, pour moi, était très important. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai voulu, à travers cette approche, obtenir des archives des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai obtenu les archives confidentielles du Conseil européen, c'est-à-dire la cellule stratégique qui se penche, qui réfléchit sur la diplomatie, la politique étrangère de l'Union européenne. J'ai travaillé sur les archives de la Maison Blanche également, et j'ai pu avoir accès également aux archives de la présidence de la République française, et puis aussi les archives du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc, et puis, j'ai rencontré également un certain nombre de personnalités importantes dans cette histoire, notamment le colonel Luc Marchal, qui était le commandant des casques bleus belges entre 1993 et 1994. J'ai aidé à éditer le livre de Jacques Roger Bobo, qui était le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Rwanda entre 1993 et 1994. J'ai travaillé aussi avec la documentation des archives de Mme Cynthia McKinney, qui était l'envoyée spéciale de Bill Clinton dans la sous-région. Et puis, j'ai associé à cela beaucoup d'autres documents d'acteurs moins connus, mais qui ont très bien travaillé sur la région. Eh bien, pourquoi je vous dis cela? Parce qu'en général, vous savez que la question qu'on pose toujours aux journalistes, c'est quoi vos sources? Moi, j'ai donc utilisé ma force de journaliste dans l'environnement scientifique, parce que j'ai constaté que les deux univers ne se côtoyaient pas beaucoup. Le monde des enseignants, grands professeurs, avaient un peu tendance à mépriser ou à sous-estimer les journalistes,
Et les journalistes, parfois, sont très arrogants aussi. Je dis les mauvais journalistes, vous allez comprendre de quoi je parle. Très arrogants, en ayant l'impression qu'ils comprennent tout et que les autres, même les gens qui sont plus outillés qu'eux, ne méritent pas d'être entendus. Donc, à travers mon approche purement méthodologique, j'ai tenté très modestement de réconcilier un peu ces deux mondes et de voir que chacun avait quelque chose à apporter à l'autre et que, à la fin du parcours, eh bien, on retrouve donc Holocauste au Congo avec ces deux catégories de compétences que j'ai essayé de rassembler. Alors, tu me poses la question de savoir, évidemment, ce que j'ai essayé de faire, qu'est-ce que j'ai... J'ai découvert une chose extrêmement grave pour la République démocratique du Congo. Avant que je vous explique cela, je dois vous dire l'expérience que j'ai vécue et qui m'a conforté, consolidé, renforcé dans ma démarche d'aller beaucoup plus loin sur la crise du Congo, sur le drame du Congo. C'était l'expérience sur le Soudan, donc un pays voisin qui se trouve ici au nord-est de la République démocratique du Congo. Alors, vous avez tous entendu parler de la crise du Darfour ici il y a quelques années. Tous les médias internationaux couvraient le Darfour matin, midi et soir. On disait qu'il y avait un génocide en cours au Darfour, etc. Je suis allé au Soudan pour travailler sur cette affaire-là. Eh bien, qu'est-ce qui était à ce moment-là la mission de la paix au Soudan? C'était les troupes rwandaises de Paul Kagame. Alors, cela m'a intrigué parce que je ne comprenais pas pourquoi un pays qui avait eu du mal à régler ses problèmes internes au Rwanda pouvait se retrouver en situation d'assurer une mission de la paix au Soudan. J'ai compris effectivement que les États-Unis avaient beaucoup appuyé cette initiative et que l'ensemble des éléments, la logistique, l'ensemble de la logistique qui a été utilisée par les forces rwandaises au Soudan venait de Stuttgart en Allemagne dans le cadre du programme AFRICOM des États-Unis dans la force de commandement militaire américain en Afrique. Et pendant cette période-là, j'ai eu à rencontrer également les autorités soudanaises. Parce que très rapidement, il y avait la question de la partition du Soudan qui commençait déjà à devenir une question importante. Et en discutant avec les autorités soudanaises, je leur ai dit, mais écoutez, je vois que vous avez vraiment envie de céder aux pressions occidentales sur la partition du Soudan en deux. Est-ce que vous pensez que M. John Garang, qui a fait la guerre pour la libération du Sud-Soudan pendant des années, est-ce que vous pensez qu'il était stupide puisqu'il a toujours demandé non pas la partition du Soudan, mais une grande autonomie du Sud-Soudan? Qu'est-ce qui vous pousse, vous, à aller plus loin que John Garang pour obtenir l'indépendance du Soudan du Sud? Ils me disent, mais monsieur Nana, vous ne connaissez pas notre pays, les choses sont très compliquées. Ici, j'ai dit, oui, moi, je n'ai pas la prétention de connaître le pays. Je ne parle pas arabe, je ne suis pas musulman, mais je cherche à comprendre la logique qui vous a conduit jusque-là. Et là, ils me disent, il y a beaucoup de pression des pays occidentaux sur le fait que nous devons aller jusqu'à céder à rendre le Sud-Soudan indépendant. Si nous cédons à cette pression, il est fort possible que nous allons avoir la paix dans ce pays. Je les regarde, je leur dis, mais je ne leur dis pas ce qui me vient à la bouche là, parce que je me dis, bon, je pratique la sagesse africaine qui dit avant de parler, il faut retourner sa langue plusieurs fois dans la bouche, parce que j'ai envie de leur demander, comment pouvez-vous être aussi naïf que ça, avec toute l'expérience politique et diplomatique que vous avez, je ne comprends pas pourquoi vous allez dans cette direction. Eh bien, je leur dis, ben, j'espère que pour le Soudan, ce sera effectivement, vous allez retrouver la paix et que les choses se passeront bien. Je publie le livre en 2010 en disant que c'est très dangereux ce que les Soudanais veulent faire parce que je ne crois pas que la partition du Soudan est une bonne chose pour le Soudan et pour les Soudanais.
je ne crois pas non plus que le Soudan retrouvera la sécurité une fois qu'il y aura la partition. Parce que quand le pays était plus vaste, pour attaquer le Soudan, il faut effectivement déployer beaucoup d'énergie. Mais à partir du moment où vous avez la partition, on peut venir menacer le Soudan dans les nouvelles frontières. Alors, je suis rentré, j'ai publié le livre en 2010 et en 2011, on a vu le Soudan indépendant, le Sud-Soudan devenir indépendant. Comme vous devez le constater, eh bien, le Soudan du Nord, coup d'État sur coup d'État avec une anarchie incroyable. Le Sud-Soudan, dans la guerre plongée jusqu'au cou, avec une exploitation des ressources pétrolières importantes. Et évidemment, qui est revenu au Soudan ces dernières années? M. Paul Kagame et ses troupes. Donc, j'ai compris, et donc les Sud-Soudanais m'ont rappelé pour me dire, oui, est-ce que M. Nana, vous seriez intéressé de devenir expert si jamais le président al-Bashir était envoyé devant la Cour pénale internationale? J'ai dit non, pas du tout, ça ne m'intéresse pas de venir expert. Ce que j'avais à vous dire, je vous l'ai dit calmement, tranquillement, il y a longtemps, vous n'avez pas écouté, maintenant le feu est dans la maison, je ne peux absolument rien faire. Qu'est-ce que le fait pour moi de devenir expert va vous apporter? Je crois rien du tout. Alors, muni de cette expérience-là, je suis donc revenu sur le Congo, j'ai dit ah, ce cher Congo, c'est la même chose qui risque d'arriver à ce pays si on ne se dépêche pas de montrer ce qui est en train de s'organiser contre le Congo. J'ai trop de frères et d'amis au Congo, je n'ai pas envie de les voir en exil, donc je vais sortir et produire les documents que j'ai et tous les éléments que j'ai. C'est ainsi donc que je me suis mis au travail. Pour travailler sur la crise du Congo. Et la chose la plus grave que j'ai découvert dans ce travail, c'est que contrairement à ce qu'ont pensé beaucoup d'historiens et de chercheurs en RDC, la première guerre du Congo, ce n'est pas en 1997, c'est en 1994, au moment où se passent les événements du Rwanda. Vous avez entendu Monsieur le recteur dire tout à l'heure que on a assisté à un afflux massif de réfugiés rwandais sur le sol congolais sans que les gens comprennent ce qui est en train de se passer. Et qu'est-ce qu'on disait à ce moment-là aux autorités congolaises? On leur disait, mais ils ont joué sur la corde sensible, sachant que les Congolais sont généralement hospitaliers, généralement accueillants. Ils ont appuyé sur l'accélérateur en disant, vous n'allez quand même pas fermer vos frontières à vos frères rwandais. Évidemment, c'est ce qu'il ne fallait pas dire aux Congolais. Ils ont laissé passer le maximum de Rwandais au point que le Congo s'est retrouvé dans l'incapacité de gérer quasiment tout un pays qui s'est déversé au Congo parce que les autres, en face, ils avaient envie de déverser toute la population ici. Et comment j'ai compris ce qui se cachait derrière cet afflux de réfugiés? C'est en analysant la stratégie militaire qui a été utilisée par Paul Kagame. Parce que il faut comprendre que lorsque Paul Kagame attaque le Rwanda pour prendre le pouvoir là-bas, ils attaquent par le nord et ils passent par l'est en fermant la frontière avec la Tanzanie et en fermant la frontière avec le Burundi. Et ils se sont mis à pousser toutes les populations du Rwanda vers l'ouest, donc vers l'est du Congo. Et il y avait deux portes d'entrée au Congo. Soit l'entrée par Goma, soit l'entrée par Bukavu. Et donc, toutes ces populations sont rentrées par ces deux portes. Et le monde entier a assisté à ça, en sachant exactement que c'était quelque chose d'extrêmement difficile à gérer. Et dans le même temps, on n'a pas aidé le Congo à gérer cet afflux de massif de réfugiés. Et vous aurez remarqué que cette affaire a duré ici pendant 2 ans. C'est-à-dire de 1994 à 1996, Kagame ne voulait pas que les troupes, les populations rentrent là-bas parce qu'il disait que c'était des génocidaires. Donc les bébés de 2 mois étaient des génocidaires, des grands-mères étaient des génocidaires, des grands-pères étaient des génocidaires, des infirmes étaient des génocidaires. En fait, tout le monde, sous ce vocable génocidaire, eh bien, ils ont condamné quasiment leur propre population à rester sur le sol congolais. C'est donc ce que moi j'ai appelé la guerre masquée, l'invasion masquée du Congo par le truchement des réfugiés,
parce que l'envoi massif de ces populations a été une action militaire réfléchie, pensée, concertée, qui a abouti à cela. Le deuxième élément, c'est qu'en 1996, vous avez donc entendu que les Banyamulenge revendiquaient des droits sur leur nationalité, etc. D'ailleurs, moi, je n'ai pas très bien compris comment on peut revendiquer ces droits pour avoir la nationalité si on est d'office congolais. Parce que je n'ai entendu aucune autre communauté au Congo qui se plaint de devoir avoir la nationalité congolaise. Parce que les gens sont nés au Congo, les grands-parents sont au Congo depuis des siècles. Donc, il n'y a pas, vous n'avez que simplement qu'à aller chercher votre carte d'identité ou votre passeport pour voyager. Vous n'avez pas besoin qu'on vous donne la nationalité. Bon. Alors, comme le Congo a toujours été généreux, ils ont donné la nationalité, mais avec la fameuse loi de 72. Mais après, les gens se sont rendus compte que ce n'était plus une affaire de revendication de droits, c'était devenu, il faut renverser le régime du maréchal Mobutu. Bon. Je n'ai pas vu une autre communauté, Mobutu avait des opposants politiques, connus et reconnus. Aucun de ses opposants n'a pris des armes pour demander le départ de Mobutu par la violence. Il n'y avait que ce groupe qui l'a fait et manifestement soutenu par les États-Unis. Alors, j'ai retrouvé les documents au sein du Congrès américain qui montrent comment tout cela s'est passé. J'ai décidé donc de les produire dans Holocauste pour que les Congolais s'en aperçoivent. Mais que se passe-t-il entre 1994 et 1996? Je demande à des experts militaires pour obtenir un coup d'État, parce que c'est de ça dont il est question. Le coup d'État a été fait contre le maréchal Mobutu ici. Pour obtenir un coup d'État comme celui-là, combien de temps faut-il pour préparer une opération, une action militaire de grande envergure avec plusieurs pays? Et les experts militaires me disent, ce qui se passe donc à ce moment-là, c'est qu'ils me disent qu'il faut 2 ans. Et 2 ans correspondent exactement à ce qui s'est passé entre 1994 et 1997. Mais ce que je vais terminer là-dessus, pour que vous compreniez aujourd'hui ce qui est en train de se passer, c'est que on a systématiquement demandé aux autorités congolaises de négocier avec le M23, avec le RCD, avec le CNDP, et les Congolais ont systématiquement négocié. Le problème, c'est que plus les Congolais négocient, plus vous entendez que Bunagana est tombé, Rutshuru est menacé, le Masisi est en danger. Alors, il faut savoir que c'est une stratégie qui a un nom. Chez les Rwandais, ça s'appelle la stratégie du talk and fight. C'est-à-dire qu'on parle, on négocie et on combat sur le plan militaire. Cette stratégie a payé parce que entre 1991 et 1993, il y avait les accords d'Arusha qui devaient ramener Hutu et Tutsi à diriger le pouvoir au Rwanda. Quand tous ces accords ont été obtenus et signés, en 1993, la fin des accords d'Arusha, on attendait de les mettre en application. Le 6 avril 1994, ils ont abattu l'avion du président. Je voulais donc vous dire, vous, jeunes Congolais, de ne pas laisser le scénario qui s'est produit chez eux au Rwanda se reproduire ici, où on vous pousse à négocier, à céder tout le temps. Vous devez constater que pendant que vous négociez, vous cédez, jamais on condamne celui qui vous attaque, jamais on condamne celui qui a déjà commis plus de 10 millions de morts, de viols, de 500 000 femmes violées sur le territoire congolais. Ils ne sont ni condamnés, ni accusés, mais ils ont plutôt obtenu un dernier accord de partenariat avec l'Union européenne. Donc, ce livre et ce passage étaient tout simplement pour vous dire que je vous aime tellement que je n'ai pas envie de vous voir en exil avec un si beau et un si grand pays. Cette opération a permis au pouvoir du président Kagame de s'asseoir et de s'installer. Pendant qu'il y avait une guerre en 1994 entre le Hutu ainsi que le Tutsi,
eu égard à ce qui précède, M. Charles, êtes-vous d'avis avec ceux qui pensent que le gouvernement congolais, plutôt, avec ceux qui pensent que les USA, les États-Unis d'Amérique, sont derrière le Rwanda pour agresser la RDC? Êtes-vous d'avis avec ceux qui pensent comme ça? Et toute deuxième question, pensez-vous que négocier avec le Rwanda serait une solution efficace, puisque vous avez parlé des toll and fight, une stratégie utilisée par Paul Kagame et son gouvernement. Paul Kagame est un ancien apprenant de centre de formation de l'armée américaine, Fort Level, un centre où il a appris la psychologie de guerre. Vous l'avez parlé dans votre livre également. Alors pensez-vous que négocier avec le gouvernement rwandais serait une solution pendant que Kagame n'est pas sérieux envers le Congo? La population dans l'est du pays ont été contre la MONUSCO. C'est un sacrifice. Pourquoi on a prolongé jusqu'à 2024 tant qu'on a perdu plusieurs de nos chefs, de nos très chers compatriotes? Alors, M. Charles, je m'en vais vous poser une question. En 2019, en 2012, vous avez écrit deux livres qui pointaient de doigt directement le Rwanda. Alors que pendant cette période, personne n'osait le faire sous l'ancien régime. Ma question est celle-ci. Pourquoi avez-vous attendu tout ce temps pour hausser le ton? Pourquoi avez-vous attendu la sortie de votre livre Holocauste pour hausser le ton et venir en RDC? Et la deuxième question. Pensez-vous pas, si vous avez haussé le ton à cette époque, le peuple pouvait se révolter et mettre fin à ces génocides? Parce qu'au stade où nous en sommes, le peuple est révolté. Nous sommes animés de ras-le-bol. Quelqu'un m'a dit hier, on est prêt aussi Mamanoki. Ceux qui parlent de ces cocottes, ils sont morts aussi Mamanoki. Ça veut dire, le peuple est prêt à aller au front pour mettre fin à ce génocide. Le vrai problème qui se trouve aujourd'hui, c'est celui des conflits, des silences qu'on a remarqué depuis une heure, depuis une époque séculière. J'ai constaté dans mes transmissions, le professeur Ekambo est témoin, il a déjà dépassé cette phrase-là, le professeur Recteur vient de prépasser un autre ouvrage sur la vigilance et la défense territoriale. Je constate une chose importante, c'est celle-ci, et c'est le titre d'un ouvrage qui sort bientôt. La guerre n'est pas encore un problème politique, et pas un problème public en République démocratique. Simplement un problème social. Nous, en tant qu'intellectuels, on essaie toujours d'aller doucement, mais quand on va doucement, on pense qu'on a le temps. Mais en réalité, le Congo n'a pas le temps. C'est pour ça que je suis venu pour dire qu'il faut aller vite pour défendre et protéger ce pays, sinon ça ne va pas bien se passer. Alors, la question concernant le fait que pourquoi j'ai attendu jusque-là pour venir au Congo, mais vous savez, j'ai expliqué d'ailleurs dans mon livre que le pays est infiltré. Lorsque James Kabarebe est arrivé ici en 1997, vous avez quand même eu à la tête de l'état-major, c'est-à-dire l'armée nationale, un Rwandais qui est retourné à Kigali pour devenir ministre de la Défense. Ils ont inondé le pays d'un certain nombre d'éléments leur appartenant, qui contrôle aujourd'hui l'ensemble du dispositif sécuritaire de la RDC, en tout cas à des postes stratégiques importants. L'Agence nationale de renseignement du Congo avait alerté la MONUSCO sur cette question. Manifestement, les autorités congolaises n'ont pas réagi comme il fallait par rapport à cette affaire-là. Donc il va falloir que les gens se dépêchent, parce que quand vous avez un appareil sécuritaire qui est affaibli de l'intérieur, il est évident que si vous êtes attaqué de l'extérieur, ça va être très facile pour vous de vous écrouler. C'est la même chose au niveau de l'armée et c'est la même chose au niveau des autres services de sécurité. Tous les Congolais ne comprennent pas pourquoi on parle de l'inefficacité des FARDC, par exemple. Non, les FARDC ne sont pas inefficaces. Les FARDC ont été noyautés entre 2005, 2006, 2004 par ce qu'on a appelé le programme DDR, qui était le programme désarmement, démobilisation, réinsertion, où dans les documents confidentiels de l'Union européenne, ils ont reconnu qu'ils ont mis
des gens qui venaient des groupes armés différents au sein de l'armée congolaise. Donc l'armée congolaise aujourd'hui constituée de Congolais professionnels, de militaires chevronnés, mais aussi de gens qui sont des criminels de guerre et des gens qui commettent des crimes contre l'humanité. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que certains éléments de FARDC, qui ne sont pas nécessairement des Congolais, commettent des crimes lorsqu'on les a, on leur demande d'aller protéger les populations civiles. Donc voilà la situation réelle, la photographie exacte de ce qu'est sont les FARDC. Donc c'est un appel aussi que je lance pour que les autorités congolaises se dépêchent de régler ce problème qui non seulement freine le système général de la défense nationale, mais qui ne permet pas à la population congolaise de l'Est d'être protégée. Et je crois que si à Kinshasa, on a l'impression que la guerre n'est pas encore arrivée à Kinshasa, sachez que ceux qui commettent des violences et des atrocités à l'Est, ils ont envie de prendre le pouvoir à Kinshasa. Donc il faut qu'on se dépêche pour aller vite, pour que la situation ne s'aggrave pas, parce que quand c'est grave, ça devient plus compliqué à gérer que quand on peut agir en amont. L'autre question qui était de savoir, donc si j'ai attendu, c'est parce que maintenant les Congolais peuvent me protéger, si vous voulez, en quelque sorte. Contre la MONUSCO, pourquoi on a prolongé jusqu'en 2024? Ben, je pense que le problème de départ des troupes est un problème très compliqué sur le plan logistique. Donc, il faut un certain nombre de conditions pour rapatrier le matériel, etc. et tout ça. Mais je pense que le fait que les Congolais ont exprimé le départ de la MONUSCO, je ne crois pas que c'était une mauvaise idée en soi. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils détestent la MONUSCO ou parce qu'ils ne veulent pas voir les Nations Unies ici. Ils ont simplement constaté l'inefficacité des troupes de maintien de la paix. Parce que quand le principe cher du Conseil de sécurité, c'est le maintien de la paix et de la sécurité. Donc quand vous mettez en place des forces, des casques bleus des Nations Unies, qui sont supposés assurer la paix et la sécurité, quand vous avez des gens qui violent les femmes à proximité de la MONUSCO, qui massacrent les populations à côté de la MONUSCO, il est légitime pour les Congolais de se poser la question de savoir pourquoi, quelle est l'importance et l'intérêt de garder une MONUSCO qui est totalement inefficace sur le territoire national. Alors, est-ce que les autorités congolaises doivent négocier avec le Rwanda? Ben, écoutez, je pense que le bon sens, et c'est ce que je remarque depuis, des Congolais, l'intuition que les Congolais ont qu'il ne faut pas négocier est une bonne intuition. Je crois aussi que sur le plan strictement historique, vous ne pouvez pas croire à quelqu'un qui ment tout le temps, qui vous dit que quand on lui dit que ses troupes sont sur le territoire congolais et qu'il y a des preuves que ces troupes sont sur le territoire congolais, que les forces armées congolaises arrêtent des militaires rwandais sur le sol congolais et qu'on a les preuves que le M23 est soutenu par le Rwanda, et vous avez un chef de l'État rwandais qui vous dit « Eh bien, ce sont les FDLR que vous soutenez là-bas », alors qu'il est aussi démontré et prouvé que les autorités congolaises ont plusieurs fois, avec l'accord du Rwanda, renvoyé les FDLR chez eux à de nombreuses occasions, et ils continuent toujours à brandir un alibi qui ne tient pas debout et qui ne tient pas la route. Ça, c'est une, je dirais, une attitude de fourberie devant laquelle les Congolais ne doivent pas être ni naïfs ni dupes. Et puis, le dernier point sur la question de l'opération Support Hope, pour savoir si les États-Unis sont derrière le Rwanda. Eh bien, écoutez, la politique américaine qui a consisté à soutenir le Rwanda depuis de nombreuses années est pour moi une évidence. Et la meilleure preuve que, comme on dit souvent parfois, on est coupable par omission. À partir du moment où les États-Unis sont un pays membre influent au Conseil de sécurité et que les États-Unis n'adoptent pas de résolution après que les membres du Congrès américain aient écrit explicitement à la fois au président de la République, mais également au ministre des Affaires étrangères, M. Blinken, attestant de ce que les Rwandais sont derrière le M23, s'il n'y a pas de résolution et de sanctions, eh bien, ça signifie qu'il y a un problème avec le Congo. On préfère soutenir le Rwanda et pas le Congo. Vous avez trouvé la carte à Bruxelles qui circulait. Moi, j'avais fait l'interview de l'ancien ambassadeur du Rwanda à 96. Il nous a montré la carte et il nous disait « Nous réclamons vers le feu ». Ce que je dénonce ici pour terminer, c'est
donc usé des autorités congolaises. Je pense tout simplement qu'il faut retrouver le calme. Retrouvons le calme. Vous savez, vous avez un adversaire qui n'est pas très émotif en face, qui est très froid. Paul Kagame parle toujours avec beaucoup de froideur. Je pense que les Congolais doivent retrouver la même froideur pour lui répondre. Il a récemment déclaré au Bénin qu'effectivement, il avait des terres à réclamer au Congo. Donc, je crois que tous ces éléments sont des éléments qui vont être analysés par... Tous ces éléments vont être analysés par les services de sécurité de ce pays. Il y a des gens très, très valables et très efficaces dans les services de sécurité du Congo. Je souhaite tout simplement que les autorités aussi entendent la colère du peuple congolais. C'est très important dans le contexte actuel parce que les gens sont conscients que le pays est en danger. Et pour que le pays soit sauvé et protégé, il faut une alliance extrêmement forte et solide entre les autorités et les populations, notamment les étudiants et les intellectuels. Il faut qu'il y ait un lien solide entre les deux pour que le Congo puisse en sortir. Votre attention, s'il vous plaît. Mes amis, voici que nous sommes arrivés à la fin de notre manifestation. Il faudrait remercier tout le monde. Remercier tous ceux qui ont accepté de venir, en commençant par Charles Olena. Remercier tous ceux qui sont aussi présents. Remercier tous ceux qui croient que le Congo ne sera pas... Le Congo est indivisible. Et que le Congo ne va pas connaître le drame du Soudan où les guerres ne terminent pas. Il faut féliciter Charles Onana car il a compris, comme tout le monde, qu'un peuple aussi voulait le dire. Que Charles Onana, comme nous tous ici, nous avons compris, comme nous l'avons écrit quelque part dans d'autres forums, que un peuple sans conscience historique n'est pas un peuple libre. La liberté ne peut s'acquérir qu'avec une conscience historique. Vouloir qu'aujourd'hui on remette quelques terres au Rwanda, qu'on remette nos terres au Rwanda, c'est balkaniser, c'est vouloir la fin. Ce qu'on a dit tout à l'heure était très juste. Les autorités congolaises doivent prendre conscience que le Congo restera toujours le Congo et d'une manière indivisible. Quelqu'un, un Galiléen, a toujours dit, c'est Jésus, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Lumumba dit, n'ayez pas peur. Kimbangwa dit, n'ayez pas peur. Tu sais qui dit, Étienne a dit, n'ayez pas peur aujourd'hui. Félix a dit, n'ayez pas peur. Et nous disons à l'UNICEF, nous ne voulons pas avoir peur. Les journalistes qu'on a formés ici par nos patentés professeurs ont été dignes de nous dire que nous ne devons pas avoir peur. Charles, l'UNICEF est fier de vous avoir eu comme orateur. Et puis, n'importe quel orateur. Nous voulons vous remettre aujourd'hui Deux cadeaux. Voulez-vous vous mettre ici, Charles? Vous allez recevoir ce cadeau que le comité de gestion vous offre. Si vous regardez très bien, comme vous aimez la sémiologie, comme vous aimez la sémantique, comme vous aimez la dialectique, comme vous aimez décortiquer la signification des choses. Vous verrez ici une mère. Cette mère est africaine. C'est l'Afrique qui porte un enfant pour dire que le travail que vous faites est un travail de grande envergure, Charles. L'Afrique est une mère. Il y a l'enfant qui est là. Les enfants africains en général. Les enfants congolais. Voilà, ils sont là. Plantés pour vous. Et nous sommes là pour nous sentir protégés. Alors, réellement protégé. L'Afrique continuera à nous protéger si nous sommes ensemble. Je vous remets ce cadeau en guise de reconnaissance. Voulez-vous le recevoir, s'il vous plaît?
Ça va arriver, tout de suite. Merci. Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure que quelqu'un parmi nous, et Cambo, et moi-même, et Cambo a écrit sur son lait, et moi tout récemment, sur votre lancée, dans votre ligne, dans la ligne de tous les autres, je viens sortir d'une manière articulée, conflit et guerre au Congo des Grands Lacs. Voici comment j'écris. Mon cher Charles, ce livre écrit dans la ligne de votre livre sur Holocauste au Congo est pour vous dire que notre lutte à jamais restera gravée comme exemple de nationalisme courageux pour la jeunesse congolaise et la jeunesse de l'UNICEF. Nous vous remercions énormément. Léon. Quoi, Jiki?